Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came, maybe blue eyes. Salut à tous, c'est 77 Cabal et on se retrouve pour l'épisode numéro 10 sur The Witcher 3. Et donc la fois dernière on s'en est arrêté, et voilà, j'en ai dit tout le temps la même phrase. On avait fait, on était allé à Vizima, on avait rencontré Yennefer, qui au passage est trop belle. Et donc, il faut rechercher Ciri-la. Alors avant tout, je m'excuse. What the fuck? What is that? On va rentrer dedans, on peut rentrer dedans. Je vais essayer de la péter, ça va être dommage que je puisse. Et donc je m'excuse par avance parce que c'est... donc on veut pas du tout entrer dedans. Donc je suis revenu à Blanchefleur, j'avais oublié une quête, la quête du butin témérien qui m'était sorti totalement de la tête. Et du coup me revoilà ici et on va essayer de le faire tout simplement. On va essayer de tout doucement, lentement mais sûrement, comme on dit. Je vais m'orienter de lui. Communiste, voilà, péter mon. Il est mieux à l'arrière, tu sais. C'est toi le bâtard, wesh. Ouh, la violence, mon pote. T'as perdu la tête. C'est vrai. Merci. Bon, voilà, c'est réglé. Je vais récupérer un peu tout dessus. C'est vrai que c'était l'un des endroits où j'avais pas osé trop aller. Oh, il y a l'autre. L'autre il est au calme. C'est pas ton jour de chance. Arrête de dire que je suis un bâtard, enfoiré. Voilà, tu vois, c'est qui le bâtard là? Hein? C'est qui le bâtard? C'est toi le bâtard? Merci, tu m'as donné un truc bleu, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est très gentil. Je te remercie beaucoup, Christian. Ah, c'est pas mal, il y a un grand moulin, je me suis dit, il y a un truc de ouf. Mais en fait, c'est juste... Ouais, si, c'est vrai, il y a quand même des... Oh, mais... Attends, il y a un truc qui est apparu là-bas. Moi je prends tout, hein, je vous dis. Après, si j'en ai pas besoin et c'est tout, c'est pas grave, je revends, mais je prends tout. On ne sait jamais. Là-bas, il y a des chevaux sauvages. C'est interesting. Donc, on peut monter, apparemment. Je pensais qu'on ne pouvait pas, mais. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est qui le bâtard là, hein? Ah, quand t'es tout seul, tu fais moins loin là. Voilà. Bon, on va aller faire directement le trésor. Donc, apparemment, il doit y avoir un truc dans le coin. Il est planqué dans une fougère, ouais, on le planque sous lui. Oh, il y a un truc tout en bas. À mon avis, il faut rentrer dans la maison. Dans la maison, il doit y avoir une chaîne. Un truc du genre, je pense. Ouais.
pas mal de trucs. Oh la vache! Et bah dis donc! Ça va aller le coup là! Les mecs ils étaient au calme! Ils avaient fait leur petit truc et tout, au calme, zéro, city, zéro. Je veux juste essayer de monter tout en haut, je sais que ça, je suis sûr qu'il y a absolument rien. Mais c'est psychologique. Ah vous voyez, il y a une porte. Elle est verrouillée, certes. Certes, et là, et il y a rien de. Et il a l'air de ne rien avoir dedans, mais. Il y a peut-être quelque chose dedans, je sais pas. Voilà. Je suis refait là, franchement je me suis mis trop bien. Je vais regarder vite fait si j'ai plus de quête du tout. Apparemment pas. La tradition, Vélène, Vigran, Vélène, Vélène. Voilà, du coup on va aller sur Vélène. C'est Vélène Virat Skellige. D'accord, donc je suppose qu'on va la trouver à Skellige, vu que c'est la ville, à mon avis, la plus haut niveau des trois. Mais là, je me suis bien mis, j'ai bien fait de la faire. Encore une fois, j'ai pensé à y retourner. Oh, le niveau calme. Quelle nouvelle de Vizima ? Rien de spécial, c'est la roue tourne qui tourne. Du coup, on va se rediriger sur Vélène. Vélène, les terres oubliées, c'est ça ? Non, je sais plus. Là, il y a un paquet de. Tac. Le contact du sorceleur à Vélène était un certain Hendrik. Espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Ciri. Et nous voilà à Vélène. Du coup, tu vas ranger direct ton épée. Voilà, sinon on va se faire def. Défense save. Alors, j'ai pris les quêtes, hein. Oh, il y en a. Voilà, je ne lis pas, je m'en bats les couilles. Non, sérieusement, d'habitude je lis, mais. Au meilleur, j'avais croisé des chemins. Ok, on va prendre la blette. Bien, blette. Pas si vite, blette. On va aller suivre la quête principale pour l'instant. On quittera on commencera les quêtes secondaires, etc. quand on aura fini les quêtes principales à. Enfin, dans cette contrée là. Abruti. Allez. Je vous étais encore défendu. Wouah, binez. Ont fait défoncer la gueule. Je vais traverser directement. Oh, il y a une tour là-bas. Oh, il y a un paquet d'ennemis là-bas. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. C'est brume. On a de la neige quoi, c'est trop stylé. Bon, c'est dommage. Wow, pinaise.
Eh, mon cheval, toi. Ok, d'accord. Ok, bah, bouffez mon cheval, alors. Et là, c'est le regret. L'air a quelque chose d'étrange. On va descendre directement ici. Dans une cave profonde par forte chaleur. Je vais changer directement ça. On mange, on met le bouclier et on y va. Voilà, ça en fait déjà un au moins. Voilà. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui. Tout est fini, perdu à jamais, gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça, souffrir à ce point. Que s'est-il passé ? Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Manquait plus que ça. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non, il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Non, c'est que... Quand t'as le choix, tu sais, tu peux dire je m'en vais. Et... C'est le mec, qui... l'autre, il raconte sa vie et tout, et tu fais je m'en vais. Non, je veux pas savoir la suite, je m'en vais. Ça, je me suis bloqué dans un mur. Hop, on récupère la nourriture parce que on ne sait jamais, je pense en avoir besoin. On va monter sur le dada. C'est bien, Ablette.
Et à mon avis, on va devoir rechercher dans la maison, etc. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Fouillez ses poches. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Regardez dans son gilet. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Et enfin, cherchez dans ses potes. Voyons un peu ses potes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Oh, il doit avoir une cave. Voilà. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Et voilà. Il y avait une échelle. Une fiole. Fille du baron sanglant, enlèvement supposé. Une généreuse récompense attend celui qui trouve à la trouvaille de l'armée. D'accord. La fille du baron a été. Objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? Intéressant. Un registre, paiement pour un sac de grain, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Les recherches, cochon pire. Accrochage avec une sorcière. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupait illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Berchefreux. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellig et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Y'a rien d'autre à choper ici. Non. À mon avis, je vais devoir la récupérer. Elle. Le baron sanglant. Bon, mais je viendrai fouiller le village. Okay. Then...
Quand des lettres. Quand des lettres. C'est un bon nom. Bon, on va pas tout fouiller. Hein. Je vous épargne cette période assez longue et chiante. Du coup, on va se diriger directement à la suite de la mission, c'est-à-dire rendez-vous au château du Baron. Je pense, au vu de la vie de recherche, qu'à mon avis, il va nous dire retrouver ma fille. Enfin, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais à mon avis, ça va être retrouver ma fille avant de retrouver la fille du Baron avant de pouvoir le rencontrer. Je ne sais pas pourquoi, je me vois comme. Oh putain, on ira plus tard ici. Là il y a un petit truc chelou. La map a l'air encore plus grande, il y a l'air d'avoir encore plus de choses à faire dessus. Avec plus de villages, donc ça annonce que du bonheur. Par là, on tourne par là. Mais je vais faire refouler mes puissances 10 milliards. Quoi. Je le sens comme ça pour ma part. Bon, les gens, déjà, ils ont pas peur de moi. What the fuck? Alors, ici, on a des marchands. Ça va être un beau petit village, je crois que c'est le premier grand village qu'on trouve depuis qu'on a commencé, donc ça c'est cool. Ah, il y a encore un avis de recherche ici, donc là c'est pareil, je vais avoir pas mal de maisons à fouiller que je ferai aussi hors par épisode, ça fait trop. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. La croisée des chemins t'avait payé une tournée. De mémoire, t'avais une autre route à prendre. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a conduit ici. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi ? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent. Ardal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. C'est marrant, je trouve que j'ai fait le bon choix parce que du coup ils m'ont fait rentrer direct. Le garde vous a appelé sergent. De l'armée de Temeria? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur? Il n'y a plus d'armée. Alors après, peut-être que j'ai. Alors que faites-vous tous ici? Ça me fait. Ça, je sais pas. Peut-être que si je les avais niqués. On a eu le choix. Je me serais fait niquer à l'entrée. Entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale. Ou résister. Rallier la guérilla et défendre notre Temeria bien-aimée jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais. Sous ses ordres. Ah, je suis assez content, je pense que je me suis bien démerdé. Ah, les pales de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Oh ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez, mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Là, c'est la meilleure. Du blabla sans fondement, voilà ce que c'est. Je suis pas venu ici pour tenir le crachoir.
Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka ? Ah, la voilà. Un petit verre ? Avec plaisir. Pourquoi pas ? Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Vélène ? C'est hideux. Je passe. Marais, bourbier, tourbière. Ici, comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée. Blessée, aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Lorsque vous incarnez Cyrilla, vous n'avez pas accès à l'inventaire et vous ne pouvez pas utiliser de signes. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Bon, on va tracer. Il a besoin d'aide. Oh, punaise! Taper en même temps que je fais ça. C'est trop bien la super vitesse, je trouve. Ouais, d'accord, elle les attaques fortes, elle les fait d'affilée, quoi. Un perso un peu trop skillé, quoi. Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravi de te voir, moi aussi. La mort du garou. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur.